Ok. C'est bon? Tu m'entends, ouais. Ouais, je pense que le plus, je venais pas de chez moi quand même. Ouais. C'est bon maintenant? Yes. Voilà. Oui, c'est bon maintenant. Ok, cool. Alors, moi, Je je pense pense que... qu'il faut essayer. Il faut essayer de voir avec le nouveau ministre des Sports. Vous Oui. connaissez de revaloriser davantage le volleyball malien. Absolument, ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà, qu'on essaie Parce de... que vous savez que l'année dernière, en 2019, il y avait le premier ministre des Sports qui était un ancien basketteur, c'était Sidibé, Jean-Claude Sidibé. Oui. Et justement, pour la préparation, c'était au mois de janvier, et pour la préparation à un tournoi, pour s'inscrire à un tournoi au Ghana au mois d'août 2019, il a fallu mettre les préparations. Parce que nous, ici, on a des obligations, enfin, on doit rendre des comptes quand même à notre club ou à des... L'actuel ministre des Sports également, c'est un sportif, il fait les arts martiaux. Oui, et donc en fait, c'était juste pour vous raconter une petite anecdote. Et ben, j'étais entrée en contact moi directement avec Jean-Claude Sidibé pour lui présenter le projet. Et 2 mois après, en fait, il a été destitué. Ben, et du coup, c'était Monsieur Touré, Haruna Modibo Touré. C'était lui, justement. Donc avec qui je suis directement entrée en contact et justement pour lui faire part du projet. Il a tout de suite adhéré et justement il a débloqué des fonds auprès de la Fédération malienne, justement, pour que 3 binationaux puissent venir. Et c'était la première fois au Mali que 3 binationaux viennent, en tout cas pour le Mali, jouer. Et donc ça, c'était une de mes fiertés, quoi. Donc voilà. D'accord. Je pense que c'est Damélé, non? Ouais, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. D'accord. Donc, Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir à tous, on va dire. bonsoir, monsieur Bonsoir, Dembélé. bonsoir. Bonsoir. Et non, non, c'est la personne qui parlait, c'est. Oh. Donc, je vais laisser le D'accord, son se ouais. présenter. Mais pas de souci. Bon, je me présente, moi, c'est Koudambélé. J'ai 32 ans. Donc, la boxe thaï, ça fait depuis plus de 20 ans que je fais de la boxe thaï. J'ai été champion de France, champion intercontinental. J'ai boxé quand j'étais petit, etc. En classe B, semi-pro, en pro, en professionnel. J'ai fait Thaïlande. 3 fois, je pars en Thaïlande. J'ai boxé France-Thaïlande. Je suis passé sur Canal. J'ai tout fait en fait en France. Après, la boxe thaï, c'est un sport un peu compliqué. Parce qu'en fait, on ne vit pas de que ça, en fait. On est obligé de travailler gauche à droite, etc. En ce moment, bah, je donne des cours de gauche à droite. Après, je me dis, pourquoi pas plus tard, finir sur un représentant dans le pays, mes parents, boxer pour le Mali un jour. Et c'est un rêve que j'ai depuis très très longtemps. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de fédé, il n'y a rien du tout, je ne sais pas comment faire. Au pire, si je peux faire les démarches, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une question. Oui. Je pense que Vas-y. tu es déjà allé au Mali? Je suis déjà allé beaucoup de fois au Mali. Je parle même Et sans Mickey, je parle bien. Je ouais, parle non, mais bien. c'est nickel, j'avais compris. Je parle bien, je suis bien allé, mes parents. Est-ce que déjà entre vous, Maliens de la diaspora qui pratiquez cette discipline, vous avez essayé de vous mettre en association comme font les dames du volleyball ou du Bah, il y en a un basket? qui est... Ouais, excuse-moi de te couper, il Pour y en a un qui fait de la... retourner au pays. Ouais, bah, il y en a un qui fait de la boxe à Villiers-sur-Marne, en région parisienne. Il s'appelle Moussa Konaté, c'est un ancien champion, etc. Maintenant, il est en station. Bah, j'ai parlé une fois avec lui, je lui ai dit, Moussa, quand tu fais la sélection du Mali, tu penses à moi. Il m'a dit, oui, t'inquiète, mais jusqu'à présent, pas de nouvelles. Il n'a pas fait encore. Il Parce n'a pas fait... il faut peut-être faire un déplacement comme j'ai suggéré tout de suite à Nana. Et D'accord. essayer d'aller voir à la fédération, le ministère des Sports, essayer de présenter le projet au ministre des Sports, je pense qu'il va adhérer. D'accord, Parce ouais, je que vois. En fait, lui aussi, c'est un pratiquant des arts martiaux, donc il va très vite adhérer à cette ouais, c'est lié. discipline. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire le nécessaire, on verra. On verra Parce ce que ça va que donner. on a déjà 3 représentants qui doivent nous représenter au niveau de la Russie du 21 D'accord. avril au 1er mai pour la Coupe du Monde, le championnat du monde de boxe arabe. D'accord. Ah, ok, Je parce qu'il crois y que c'est la a. même chose que le kickboxing. Non, on peut préparer parce que moi c'est la boxe thaï. En fait, il y a kickboxing, il y a boxe arabe, il y a la boxe thaï. C'est pas les mêmes Ça, trucs, hein. c'est. C'est pas ça a Bon, rien à voir. ça se Ça se rapproche ressent. parce que Voilà.
Voilà. Parce que Moussa Guedira, il est double champion d'Afrique de kickboxing. Ouais, parce qu'il y a kickboxing et Voilà, boxe thaï. Ça, c'est pas pareil. Il y a quelques dans règles qui changent. kickboxing, vous, Moi, c'est de la vous êtes boxe thaï. boxe thaï. Voilà, Voilà, vous, c'est boxe thaï. kickboxing. Voilà, c'est pas OK. pareil. Il y a quelques trucs, c'est pas pareil. C'est comme je vous dis Oui, le. mais on peut unir toutes ces C'est bon, disciplines-là, une seule association, une seule fédération. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec Kickboxing, vous. Ouais, voilà, c'est boxe vrai. arabe et même la boxe française. Déjà, Ouais, c'est vrai il aussi. y a une fédération de boxe française là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas être affilié à cette fédération? Ouais, Au c'est lieu vrai de aussi. créer des petites fédérations, on n'a plus fini parce que. On dit fédération des arts martiaux. Arts martiaux, on te parle de taekwondo, judo, et ainsi de suite. Ouais, Donc, ils se c'est retrouvent vrai. dans la même fédération. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu n'as Moi, jamais je. entendu parler de la fédération malienne ou africaine de boxe thaï? Jamais, jamais, Bah, jamais, jamais. en Bon, boxe, parce en que boxe. rares sont les Africains qui pratiquent cette discipline, mais le Maroc, c'est une discipline qui est très répandue, surtout au Maroc et également en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de champions du monde marocains qui sont souvent nés aux Pays-Bas, qui sont venus après Ouais. défendre les couleurs du Maroc. Il y en a beaucoup de champions du monde marocains. Oh, bah, moi j'en connais un qui a fait ses démarches, etc. dedans, mais il s'est mis en boxe anglaise, Mohamed Diaby. Je ne sais pas si ça Mohamed vous dit quelque Diaby. chose, Diaby. Oui, du Lui, il Mali. a fait la. Voilà, du Mali. Après, là, il a grandi ici, c'est un international. Il est parti là-bas pour faire la boxe anglaise. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous Oui, avez. j'ai entendu parler Ouais, de je t'ai lui, parlé, vous Mohamed avez fait un Diaby. article, je crois, sur lui, il y avait un article sur lui, je pense. Oui, bon, j'écris tellement d'articles que j'en Ouais, oublie sur des tout le fois. monde. Mais même tout de suite, quand on a dit votre nom, j'avais du mal. Je sais que j'ai fait un entretien avec vous, mais Ouais, je me rappelle, je franchement, me je vous rappelle remercie. plus Hein. de Ouais, je vous je remercie, me ce que vous avez fait, rappelais plus c'était. de votre nom. Je me rappelais plus de votre nom. Quand il a dit Dembélé, j'ai pensé automatiquement au bodybuilder qui est en Angola, parce Ouais, que lui j'avais aussi entendu c'est parler de lui. Adama Dembélé. Voilà, lui aussi il est Adama Dembélé. Ouais, je vous remercie parce que vous avez fait l'article, c'était pas mal, franchement, je vous remercie, c'est gentil de votre part. Là, C'était on est en ensemble. ensemble, comme on dit, Mali Poussancy. C'est vrai. Voilà. On vous appelle président là. Bon, essayez de nous éclaircir un peu sur ce point-là. C'est cool. C'est-à-dire, sur quoi? Il y a des gens qui écrivent président. Donc, Non, après, c'est. je pense. Ouais, c'est les amis, c'est les amis, c'est les amis, je connais, je suis suivi par du monde, c'est pour ça en fait. C'est pour ça, D'accord, c'est pour ça. d'accord. C'est les amis, tout ça, c'est les amis. Les amis, les frères, la famille, etc. Mais C'est actuellement, pour ça, parce c'est que moi, où? ce que j'ai proposé tout de suite à Nana, bon, Ouais. vous êtes là actuellement, je peux vous en parler également. Moi, j'avais parlé d'une biennale, pour les Maliens de la diaspora, c'est de l'intérieur du pays, avec toutes les disciplines confondues. Si, par exemple, cette année, on organise en France, l'année suivante, peut-être qu'on prend la région de Kayes qui représente quasiment la moitié des Maliens de la France. Donc, D'accord. l'année suivante, peut-être Sikasso, Kidal, ainsi de suite. Donc, ça va être une biennale. Tous les Maliens vont se retrouver dedans. Que ce soit les Maliens des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, tout le monde essayera de faire un retour au pays. D'accord. Voilà, toutes les Nana, disciplines t'avais. confondues. Et même la musique. Et pourquoi pas, et même la musique. Ouais. Voilà. C'est Donc vrai. Nana, chacun se sentira malien en ce moment. Nana, t'avais une Mais question, je je crois. pense qu'on a suffisamment de ressources humaines au niveau de la France, même dans le reste du monde, Un peu qui trop peuvent même. nous soutenir financièrement. Parce que, comme j'ai souvent dit, les N'Golo Kanté, ils ont joué avec la France, mais moi, je ne les considère pas comme français. Ils ne sont français que sur le papier. Donc, il reste toujours malien. Donc, il a l'obligation de venir en aide à sa famille. Donc, Oui, ça c'est il a normal, c'est suffisamment normal. d'argent. Moussa Sissoko, Djibril Sidibé et autres, là. Ils doivent soutenir cette initiative. Ouais, après Et ça puis, c'est leur ça c'est leur choix ça. l'initiative de Nana, les Noumaya, bon, il y a beaucoup de familles déshéritées dans le pays. Et puis, avec la guerre au nord du pays, il y a beaucoup de familles qui sont dans des difficultés.
quelqu'un qui veut préparer l'au-delà, si tu as suffisamment d'argent, il faut mettre la main à la poche, essayer d'aider cette association Noumaya pour essayer de venir en aide à ces femmes qui ont perdu leur mari dans cette guerre fratricide, je dirais, parce que quasiment on se combat entre nous, Maliens, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Également, tous ces enfants orphelins qui sont autour. Donc, c'est ça. D'accord. Nana, t'avais pas une question, je crois. Nana, t'avais une question, non? Entre-temps, avant que Brahim écoute, t'avais pas une question à poser, non? Mais j'ai oublié, je pense. Ah, si. Je voulais savoir, tu boxes où? Alors moi, je boxe à Saint-Ouen, en fait. C'est à Saint-Ouen que je boxe. Ok. C'est dans le 93, Oui, en je région connais. parisienne. Ah, tu connais? Moi, c'est Est-ce dans le que vous avez 93. un combat en perspective? Non, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Bah, là, avec le Covid et tout, tout est bloqué, rien de spécial. Bon, en ce moment, on veut que je sois en stand-by, je donne des cours gauche à droite, etc. J'apprends aux jeunes, etc., le sport. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. J'ai rien de prévu pour l'instant. Je crois avoir pris un autre Malien du nom de Jimmy. J'ai oublié son nom Ouais, du Jimmy passé. Koulibaly, ouais, ouais c'est Voilà, mon c'est voisin. lui. Ouais, Jimmy Koulibaly, je connais aussi. Ouais, après, comme elle a dit, non, non, dans le milieu du sport, tout le monde connaît, on se connaît tous. Est-ce que Hein. Oui, Vous un monde est échangez avec petit. lui également? Bah, on parle, bah, à part bonjour, etc. On se prend des nouvelles sans plus, mais on ne parle pas du Mali, etc. On n'en parle pas entre nous. Non, mais votre discipline, vous pratiquez la même discipline, non? Ouais, c'est pareil que lui, c'est la même chose. Mais on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Ouais, c'est vrai, Donc on en parle. lui aussi, je crois qu'il a été champion d'Europe de kickboxing, hein? De Oui, boxe pareil, thaï, ouais, du il moins. est. Ouais, Boxta, c'est ça. Voilà. Voilà, moi je pense que si vous conjuguez vos efforts, ça peut aboutir à quelque chose. C'est vrai aussi. Voilà. Donc voilà. Et peut-être mettre D'accord. un Nana, grand projet vous avez une question? un grand projet en place et pourquoi pas demain aller ouvrir une école de boxe thaï au niveau du Mali. Bah, Bonne pourquoi pas, idée. après on verra. Non, D'ailleurs, j'ai une pourquoi idée pas. là. Je t'enverrai Pour un plus tard. DM. Hein? Un DM, D'accord. je voulais parler. J'ai une Nana, idée. vous avez la parole. Nana a une idée. Non, je disais que je vais le contacter en DM parce que j'ai une idée en fait. Voilà. D'accord, pas de problème. D'accord, pas de souci. Parce que même si si c'est une école payante, ça va vous rapporter quelque chose et puis continuer Bien votre sûr. projet. Ouais. Ça Je sera suis une école contente. payante. Si vous voulez, vous pouvez associer sport et études. Pourquoi pas? Bah, c'est ça. Non, mais t'inquiète. Toi, t'as tout pisté, toi. Hein? Brahim. Surtout dans les camps, surtout dans les camps militaires. Brahim. Ouais, il y en a besoin. Brahim. Il est Non. fort, Brahma, il est fort, il est fort. Hein? Brahim. Brahma, il est fort, Brahma, il est fort. Yayouz. Yayouz, tu m'écris encore aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, pour vous, bah, c'est C'est cool. super sympa ce que vous faites pour les sportifs maliens. Référence 14. C'est super sympa. Et c'est. Voilà, c'est gentil de votre part. On est là pour vous. Ah, merci, si vous n'inquiétez pas. On vous soutient aussi. De près ou de loin, on vous soutient, vous inquiétez pas. Je vous suis, hein, même Voilà. que j'ai quelques infos, je vous les donne, hein, par rapport aux championnats nationaux, Ouais. mais j'ai rien pour l'instant. Ouais. Mais Donc voilà. souvent, comme on disait tout de suite, les binationaux, ils déclinent souvent leurs identités, quoi. Parce que pour pas leur faire chier ou les embêter, peut-être c'est pour ça, mais ils veulent rien dire pour l'instant. Parce Non, mais qu'après, ça sert à rien. Je suis d'origine malienne, ils ont. Ouais, mais mais je sais, ça coûte rien. on va pas aller te forcer pour venir jouer. Ouais, mais ça coûterait, mais apparemment, les binationaux, bah, dans certaines têtes, je crois, à mon avis, ils ont en tête la France. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous trop dire son quoi, etc. Ils ont tous la France, hein, c'est pour Oui, ça. Hein. mais Bah, tu trop peux méchant, c'est la toujours France. dire Hein. je suis d'origine. Mais nous savons tous que leur premier choix, c'est la France, mais vous pouvez toujours reconnaître vos origines. Il ne faut jamais renier vos origines. Ah, c'est vrai aussi. Voilà, même si vous ne venez pas jouer, il ne faut pas renier vos origines. Quand on vous dit vous êtes malien, oui, je suis malien. Est-ce que vous êtes prêt pour le Mali? Bon, pas encore, je suis en train de réfléchir. Tout ça peut se comprendre. Après, moi, je vous comprends. Moi, vous faites votre boulot. Après, Voilà. je vous comprends. Moi, ça Mais coûte rien. Après, on dit vous êtes malien, tu dis non, je suis sénégalais, ouais, ou bien c'est je suis gratuit. gambien, Vous n'avez pas payé ou bien plus je ou suis moins. ivoirien. Ça sert à rien. Quoi, c'est gratuit. Hein. Vous n'avez pas payé plus ou Voilà. moins. C'est gratuit. C'est gratuit. Hein. Ça coûte rien. Voilà. Après, c'est pas tout le monde. Après, on n'est pas tous pareils. Comme on dit, on n'est pas tous pareils. Non, Ça dépend des. il y en a qui te disent tout de go qu'ils sont maliens d'origine.
Bon, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas prêts. Il y en a qui disent si le Mali les appelle. Donc, tout ça, c'est compréhensible. Ouais, c'est vrai aussi, c'est Mais il vrai. ne faut pas dire aujourd'hui tu es d'origine gambienne. Après, demain, quand tu vois que tu ne peux pas jouer avec la France, tu dis que tu es malien. Donc, on n'a plus besoin de Oui. toi. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, Nana, tu voulais intervenir? Non, j'ai fini pour l'instant. Ça, elle a S'il vous fini. plaît. Nana sera la représentante de la Fédération malienne de football au niveau de la France. Oui, bah Peut-être qu'avec elle, ils vont venir. bah bien sûr. Non, mais moi je me vois déjà à la FEMA Foot, hein. Ah ouais, Voilà. j'ai de Oui, grandes ambitions. ça aussi, Peut-être je voulais vraiment. J'ai oublié de mentionner aussi. Nana a un master dans le domaine du marketing. Voilà. Oh. Hein, papy, t'as oublié. Donc, Marketing, marketing. vas-y, aide-moi. C'est quand même, c'est le Il faut marketing dans le domaine. harceler Moussa Dembélé là qui vient défendre les couleurs de son pays. T'inquiète, envoie-moi son Le numéro pays a d'abord. besoin de lui. T'inquiète, t'inquiète. Ah, Je m'en charge. pour combattre Moussa Dembélé, ça va être compliqué, hein. Ah, ça ne Non, doit pas être t'inquiète pas. compliqué. Moussa, Non, il ça a ne doit pas être déjà un pied au compliqué. Mali. Ouais, Moussa, mais lui. il a déjà un pied. C'est qu'il a sa tête avec l'équipe nationale de la France pour le moment. Ouais, bah Et c'est pour ça, c'est pour ça. c'est pas demain la veille qu'on va appeler Moussa Dembélé. Donc lui-même, il doit comprendre que s'il veut faire une Bah, grande carrière. ça fait longtemps Non, il a mais. approché, mais parce que Fouss, comme il a dit, c'est l'adjoint, c'est lui qui approche les binationaux. Bah, il l'a déjà Oui. approché, mais lui, il n'est pas encore motivé. Encore lui, c'est pour l'instant, c'est la France. Hein. Oui, c'est la Oui, France, parce mais que il y a trop. et Oui, mais il tous, y a trop. même Ablaye Doucouré qui est à Everton, a Ouais, même perdu lui. Hein. ça. Il espère toujours la France. Mais pour lui, Oui, franchement, c'est mais. foutu. Je pense que c'est compliqué. Hein. En plus, il Non, habite il vers chez toi, comprend Nana, je pas, il crois. comprend. Il Hein? habite dans le 91, je crois, non? Si je ne me trompe pas. Je ne sais Bon, je ne pas. sais pas là où il habite, mais Mais comment. il a 28 ans en tout cas. Il a J'allais 28 dire, ans mais comment tu sais que j'ai mis dans 91? à T'as oublié. Alassane Plea, à 27 ans. Hein? Là, c'est. Ouais, du coup, Ah, c'est chez 28 toi. ans pour un joueur qui n'a jamais été international, Ah, parce c'est qu'il attend la quasi plus France. quoi. Ouais, mais Voilà. pour moi, en tout cas pour moi, je pense qu'il devrait oublier l'équipe de France parce qu'il y a de Bien gros sûr, postes. il devrait oublier l'équipe de France et peut-être venir encadrer les jeunes et peut-être venir encadrer les jeunes du Mali. C'est Je ce qui pense est que ce mieux serait pour mieux lui. pour Lui lui. et Alassane Ouais. Plea, si j'étais à leur place aujourd'hui, j'allais venir défendre les couleurs du pays. Effectivement. Non, mais en fait, c'est Après, vrai. c'est Non, en joueur. fait, il y a une façon. En fait, il y a une façon de parler aux joueurs et il y a une façon en fait de leur faire comprendre les choses. Enfin, moi, c'est comme ça que je Oui, parle aux mais joueurs. c'est souvent qui nous pose problème avec notre fédération. C'est ça qui nous pose problème. Oh, eux, Ah, c'est trop des marionnettes. ouais, mais ils le Parce savent très que bien. quand Ils on le savent voit très le bien. cas Adama Diarra Traoré qui s'était posé avec même le maillot du Mali, après qu'il change d'avis, parce qu'il a eu à faire quelques bonnes rencontres avec Wolverhampton. Et Ouais. après, quand on l'a sélectionné avec l'équipe de l'Espagne, il faut voir aujourd'hui. C'est Ah, la lui, il est descente spécial. C'est un d'enfer. bambara, il est spécial. Il est spécial, c'est un bambara, peut-être c'est pour ça. Il est spécial. Et voilà. C'est un bambara, peut-être c'est pour ça. Il n'y a pas de... Voilà, Il n'a pas de reconnaissance. Il actuellement, n'a pas de reconnaissance. la dernière liste de l'Espagne, il ne figure pas. Ah, ça, Et bah oui, c'est ça d'autres va. jeunes qui ont été, et c'est d'autres jeunes qui ont été convoqués, Bah qui oui, vont mais. s'affirmer, et c'est des vrais Espagnols. Lui, déjà, en Espagne, c'est malheureux de le dire, mais en Espagne, il est noir quasiment. Tu n'es Ouais, pas bah. considéré comme il faut. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non. Voilà. Bon, y a une Adama, petite nouvelle. moi j'ai toujours dit, il n'a pas un football espagnol, il n'a qu'à venir avec le Mali. Lui, il a un football africain. À la limite, s'il était allemand ou bien anglais, il pouvait jouer avec ses sélections-là. Mais Espagne, il va regretter. Ouais. Voilà. Parce que tu ne peux pas prendre seul le ballon, courir. L'Espagne, ça ne marche pas comme ça. C'est un football tiki-taka. Une touche de balle. Voilà, c'est un Ouais, football tiki-taka. c'est Voilà. vrai. Et Il n'a ouais, pas imagine, c'est compris toujours. grand chose, quoi, parce qu'ils n'ont pas de bons conseils, ils ne voient que l'argent. Ouais, c'est ça. Mais. Voilà. Donc, il se dit que ce qu'ils peuvent gagner avec la sélection espagnole, il ne gagnera pas avec le Mali. Alors que le Mali, c'est pour l'honneur. Ah, c'est pour L'honneur les de ses cœurs. parents. Ouais, c'est pour les cœurs. Voilà. Voilà. L'honneur pour les parents. Tu gagnes suffisamment déjà beaucoup d'argent avec le club, au sein de ton club. Donc, pour l'équipe nationale, tu viens jouer pour l'honneur. Ouais, Ouais, mais après, peut-être qu'il y en a, Parce que c'est pas ils ont parce que manque d'argent. Ils ont besoin si tu d'argent, joues peut-être. avec le Mali,
C'est pas parce que si vous jouez avec le Mali, vous n'allez pas avoir l'opportunité de jouer au Real ou au Barça. C'est que vous n'êtes toujours pas bon. Bah oui. Sinon, c'est lui, il a joué au Barça, il a joué Il avec est le là. Mali. Dila, il a porté le brassard, le seul Africain quasiment à porter le brassard du Real. Pourtant, il joue avec l'équipe nationale du Mali. Frédéric Kanouté, il a joué à Séville, il a remporté deux Europa League. Momo Sissoko, il a joué au haut niveau. Hein? Il y a plein de joueurs maliens qui ont joué au haut niveau. Moussa Dembélé peut venir jouer avec le Mali et se retrouver aujourd'hui attaquant du Barça ou bien du Real de Madrid. Ah, après, de toute façon, tôt ou tard, il va venir, vous inquiétez pas. Moussa Dembélé, tôt ou tard, je pense qu'il Voilà. va venir. Ouais, bah, Voilà, mais vas-y, ça. Parce il faut pas qu'on n'a que pas ça de soit trop contrat. tard parce qu'il faut Moi, pas après, qu'il faut pas vienne. pas lui mettre la pression, vous inquiétez pas. Non, S'il ne met vient, pas la pression. On compte plus, c'est nous, quoi on qui fait compte qu'il va plus le sur mettre? les El Bilal Touré, les Sékou Keïta, entre autres. Ah, c'est vrai. Voilà. On va voir s'il y a d'autres jeunes binationaux qui veulent venir défendre les couleurs du pays par amour. Il y en a plein, franchement, il y en a plein. Voilà. Nana Voilà. aussi, il y a Sekou qui peut se porter volontaire à adhérer à l'association. Imaya. Mais j'ai dit Donc. que j'allais le contacter en privé, là, maintenant. Bah, c'est les journalistes, il faut leur boulot. Hein? Oui. Non, en tout cas, il faut associer tous les Maliens de la diaspora, Oui, même bien ceux qui sûr. sont aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, tout le monde. Même ceux qui ne sont pas sportifs, qui aiment le sport, qui sont ingénieurs, je ne sais pas quoi, qui ont les moyens, ils peuvent adhérer. Absolument. Parce que ce n'est pas seulement le sport, c'est Mais bien quelque sûr. chose pour venir en aide aux plus démunis. Bien sûr. Bah oui, c'est une Voilà. de nos actions. Voilà, donc chacun peut faire quelque chose. Absolument. Voilà. Ah, c'est le but. Bon. Bon, en tout cas, bah, merci de m'avoir reçu. Bah, peut-être au prochain live, on verra. Inch'Allah. On l'espère bien. On l'espère Voilà, bien, on va Inch'Allah, t'aider, comment. quoi. En tout cas, je vous soutiens, portez-vous bien. Il y a quoi? Bah, je regarde un peu les commentaires de mes amis, ça me fait rigoler. On voit vraiment que vous avez pas mal de fans. Ouais, ça va, il y en a pas mal. Donc, j'enfin une Ah, une dédicace à raison mes pour laquelle fans. on t'appelle président. On ne devient pas président pour Ouais, rien. mais. Voilà, c'est pas pour rien. Bon, je représente. Je fais une petite dédicace à mes amis et à leurs commentaires. Et je fais un gros bisou à tous. Bah, vous, je vous remercie. Bah, à une prochaine. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Merci. Ouais, Inch'Allah. Au merci. revoir. Bon courage. Plus tard. Vous inquiétez pas, je vous suis. Je regarde vos commentaires. Je vous suis. Je suis dans l'ombre. Je regarde vos commentaires. Je regarde vos commentaires. Ok? C'est Yeah. Bon, Merci. au revoir, bon courage. Tiens. Salut. Ah, non, non, il faut pas les lâcher, hein. T'as dit quoi? Toi, papy. Non, non, en fait, j'ai oublié la filière, mais fallait m'aider. Au moins. Mais si je t'ai dit marketing et communication dans le Non. domaine des sports. Mais là, il Mais rappelle les larmes. est-ce que pour votre association, il y a une carte de Oh. membre? Il y a Là, quoi? il rappelle les coffres. Une carte de Carte membre. de... Ah oui, un bulletin d'adhésion. Un bulletin d'adhésion. Il n'y a pas de carte de membre. Peut-être que chaque membre, au moins, cotise à la fin de chaque mois. Ah si, ça c'est la caisse, ouais. Voilà. Que Donc, tu mets en place. pour que chacun puisse essayer de mettre quelque chose. Absolument, oui, ça Mais c'est. moi, je pense que même si vous passez souvent, quand il y a les grands matchs de football en France, essayez de passer voir les clubs également. Oui, bien sûr. Non, mais je suis déjà en relation avec des clubs locaux ici en France. D'ailleurs, hier, je l'avais dit dans le live de présentation, je suis en contact avec le FC Pau. Non, je Le. parle des clubs, par exemple, si vous partez voir le Paris Saint-Germain, Oui, mais l'Olympique bon, de là, on joue à huis Marseille. clos. Enfin, là, ils Voilà, jouent à donc. huis clos, je ne peux pas. Non, pas au stade, peut-être il y a leur siège. Au siège, bon. Bon, à ce Bien niveau-là, sûr, c'est essayez d'aller. compliqué. Mais en fait, au niveau, moi, en tout cas, au niveau de mon réseau à moi, je sais que je suis en relation avec un club, avec deux clubs de division 2.
trois Parce qu'il y clubs. a beaucoup de joueurs, même s'ils ne sont pas maliens, comme il y a une cause humanitaire, ils peuvent mettre la main à la poche pour Ouais, non, mais j'ai essayer déjà reçu des d'aider. dons d'un club de foot, de deux Voilà, clubs de foot. parce que ces dons-là, ça peut vous servir à aider beaucoup de déplacés de guerre. Mais vous inquiétez pas, j'ai une Voilà. on a mis une stratégie en place. Voilà. Les déplacés de guerre du Nord, là. Donc, on essaie d'aider toutes ces familles. Ouais, absolument. Même Voilà. d'ailleurs, auprès d'une boutique, j'ai des vêtements à les récupérer. Non, on a mis tout ce qui est domaine sportif, éducatif et dons. On a une liste en fait de contacts et d'entreprises spécifiques en fait. Okay. D'accord. Donc là, il y a plein de stratégies à mettre en place. Il y a Barry qui voulait intervenir. Barry, t'as, bon, disons qu'il y a 5 à 10 minutes. Bon, 5 minutes plutôt, parce que là, c'est bien pour la fin. C'est Ok. bien pour la fin. Donc, tu voulais parler de quelque chose. Hein, donc. Bah, en fait, je voulais parler plutôt des dons que j'ai eu à faire aussi. Même en tant qu'étudiant, j'ai eu à faire beaucoup de dons aussi, notamment des Maliens. Sur ma page Instagram, j'ai organisé des jeux, mais c'était à but non lucratif, en fait. Je ne recevais rien. J'aidais des jeunes. J'ai aidé un jeune Sénégalais et deux jeunes Maliens en leur donnant quelques. Bah, c'était 25 euros chacun, pour essayer de qu'ils puissent au moins se vivre des bons moments pendant les fêtes de Noël, parce que l'anniversaire de mon papa, c'était le 25 décembre, le jour de Noël. Du coup, j'ai décidé de faire ça. Et en parallèle aussi, quand j'étais à Paris, j'ai été approché par un organisme appelé Médecins sans frontières, qui sont venus à moi et qui m'ont demandé, malgré ma situation difficile, ils m'ont demandé si je pouvais aller faire un don, en fait. Du coup, chaque mois, on me prélève 10 euros sur mon compte pour aider les réfugiés. C'est-à-dire les réfugiés africains, en fait, qui viennent en France et tout, dans d'autres pays d'Europe, parce que c'est un organisme vraiment qui est international, en fait. Du coup, j'aime beaucoup aider. Donc, en même temps, je donne beaucoup de conseils aux jeunes Maliens qui viennent sur ma page, et je leur donne des conseils sur le basketball, et je leur encourage aussi beaucoup à persévérer, parce que seul le travail paye. Et en même temps, je voulais parler aussi des différents sports que j'ai eu à faire, notamment le karaté, le volleyball, et le volleyball et le football aussi. Donc, j'ai été champion aussi au football quand j'étais gamin, en 2015. Et après, comme j'ai commencé à grandir, j'ai décidé de me mettre au basketball. Donc, c'est un Oui, peu ça, en fait. Donc, d'accord. c'est pour plus d'informations, j'ai ma page LinkedIn. C'est D'accord. un réseau mondial. Et si vous tapez mon nom, Bakary Kansai, sur Google, vous voyez tout. Vous allez voir toutes mes références, et genre estudiantine et sportif, sur ma page LinkedIn. Du coup, c'était un peu ça, en fait. D'accord. Bakary, bon, je voulais parler un peu de Bakary. Bakary, c'est un jeune très motivé que j'ai connu ici au Sénégal. Donc, quand j'étais chargé de sport adjoint de l'association malienne des élèves étudiants stagiaires maliens au Sénégal, je l'ai connu ici à Dakar. Vraiment, c'est un jeune vraiment à encourager. Il fait tout pour le Mali. Il donne tout ce qu'il a au fond de lui. Donc, vraiment, tiens à féliciter. Merci, moi. Et bonne chance à toi par rapport à ton nouveau challenge de faire des signes pro. Donc, Inch'Allah, on te suit toujours. Merci beaucoup. Et là, j'ai un projet en cours. J'ai deux projets en cours. Celui de créer une entreprise avec la collaboration d'un étudiant malien aussi qui a fait des études à Dakar. Et le projet porte sur des poulets et tout. Donc, lui, il a déjà commencé ça. Et moi, j'ai investi dedans, pour essayer au moins se dévaloriser les comment dirais-je la vente des poulets au Mali et des animaux, en fait, parce que moi j'aime beaucoup les animaux. Et en parallèle, je suis en train D'accord. d'écrire un livre sur mon histoire aussi, donc ma vie estudiantine et sportive, pour prouver que on peut tout faire, en fait, donner du courage aux jeunes, leur disant que on peut à la fois faire les études et à la fois faire les sports.
D'accord, absolument. Ok, merci beaucoup, Barari. Donc, on prend Dari Pogba. Donc, merci beaucoup, Barari. De rien, merci à vous et force à vous. On N'oublie est pas aussi ensemble. de suivre Barari, c'est Kansai. Attends, je vais écrire son Insta. Vous pouvez le suivre. C'est un jeune très talentueux. Qui? Qui est actuellement à Lyon, Bakary. Ah, Bakary. Mais c'est qui Oui. Dari Pogba? Donc, Bakary, c'est bon. Je vais essayer d'ajouter Dari Pogba. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Au Bakary, revoir. Merci. À oui. vous On se d'abord. tient au courant. Au revoir. Ciao. Nana, tu as mangé du couscous ou quoi? Il y a Pourquoi? quelqu'un qui demande cela. Si tu as mangé du couscous. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais Ah, qui bon, a ok. écrit ça? Ouais. Et bon, la personne. Comment? Ouais, comme ça, c'est bon. Allô? Allô. Salam Bonsoir. alaikum. Ouais, Salam. ça va. Voilà, Ça donc. va? Ça va bien. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Top. Tu as Ouais. sommeil ou quoi? Non, j'ai pas sommeil. Au fait, vous, c'est que vous faites pour nous. Mais pour moi, Ok. l'importance, parce que l'important, vous êtes déjà connu. Donnez-nous d'abord. C'est pas pour vous interrompre. Hein. Bon, essayez de vous présenter. Ibia, c'est qu'il tourne une fois comme ça, donc moi, oui, donc, voilà. Comme ça, il sera Okay. intéressant quoi. Ok, bon, je me présente. Je m'appelle Dari Demba. Je suis malien aussi, fier d'être Niédioramain. D'accord. Voilà. Voilà, bon, je sais pas, excuse-moi de te tutoyer, je sais pas celui qui a les écouteurs, si c'est lui qui a référence 14 ou si c'est l'autre. Par contre, Nana, je l'ai mis à l'identifier avant, parce que là, c'est une femme. Et c'est lui qui a l'écouteur. Lui, c'est un membre de Refrain 14 Sport aussi. Lui, c'est un associé de Refrain 14 Sport avec Brima Jacté. On travaille ensemble. D'accord. En D'accord. fait, lui, c'est un ancien enfant, bien patriote humain. Tu vois, je vois dans ces, on voit dans ces 10 Minkaré, en Malien, le coffre, ou Chamakana, je m'en. Par contre, moi, j'ai fait mon bénéfice à fond. Tu sais, tu vois sur les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la fédération, il y a beaucoup de mamans, mais bon, mais malin. Mais à la Kéoula, j'étais formé à la SEC pendant 10 ans. À la T'as été SEC formé Moumou. où? Comment? T'as été À SEC formé où? d'Abidjan. À SEC d'Abidjan. Asak d'Abidjan. Ah, ok, Voilà. fantastique. Comme Aouraba Kalama, en amour, Tchamou, Joramé, Outi, Borontoukou, Kalama. Donc à la Ké, je m'excuse du thème. Mba, Ah, Bana. dis-moi. Ah, désolé. C'est moi, c'est Allô? pas possible. Oui. Voilà, je m'excuse du thème. Bana, Allah Aïna, Allah Nisla, je suis Alors, bel il Algérien. n'a Donc, rien. du coup, je suis venu au Mali. Tu vois, né Kartakaï. Ma famille, elle est de Karta. Ni Kartakaï. Donc, Allah Kentara, Malla. Je suis trop fort. Mais, il était entraîneur Chininga. Que ce soit les catégories inférieures. Bon, je me permets, mais Baye est trop fort. Parce que Baye, il sait qui je suis. Et même Mour les fans, mais comment les fans donnent, parce que lui, il sait qui je suis. Bah, fin de la fédération, c'est très compliqué. Baye, c'est quelqu'un qui est bien. D'avance, Mour, lui aussi, c'est quelqu'un qui est bien. Mais on ne fait rien. Moi, actuellement, je suis en France. Tu vois, je prends un coroquet, écoute le bémin coro. Tu sais, quand on est en Bélaké, on est en Mali représenté. Mais ne fait rien pour choisir. Je n'ai pas honte de dire, parce que Mbora là. Nous avons fait ce que je Anifel. pense, à Ousfaz. Alice, Voilà, contrat, c'était un peu, tu vois, c'était un peu compliqué. On se connaît, mais moi, chaman, donc. Eh bien, la génération, mon fou, les doudous, les consoles, on était moi, trop fort, mais je pense que, bébé, pardon. Mais n'y a la cour. Moi, aujourd'hui, je les envie, pourquoi? Je les envie, parce que vraiment,
ils font la fierté du Mali. Mais par contre, moi, je n'arrive pas à m'exprimer. Pourquoi? Parce que moi, qui Beba de Fédération, Beba de Mali National, là, il n'y a pas de Mali. Je ne veux pas tituer. Mais ce n'est pas pour vous couper là. Aime le club du Mali actuellement. Actuellement, moi, c'est ce que moi je dis. On est donnant illégalement en France. Tu vois? Pour le moment. Il met ballon d'or toujours. Moi, je suis footballeur. Allez, je te parle. Tu vois, moi, je suis blessé. Moi, je le protège. Oui. Ouais. Protège. Là, t'es où exactement? Actuellement, je suis à Lyon. Est-ce que... À Lyon? Il met Lyon là. Ah, ouais. L'Olympique lyonnais. Oui, non, par exemple, moi, tu vois, je ne veux pas, excuse-moi du thème, je ne veux pas exposer ma vie directement. Ma cadine est quoi fait? Non, mais c'est un comment. Ok, il est à privé là. Il est à privé là. Voilà. De toute façon, okay. Moi, j'ai beaucoup, travaille avec beaucoup d'agents. Brima va te répondre. Voilà, je travaille avec beaucoup d'agents qui peuvent t'assister en France. Avec ta carrière là. Il va en dîner, c'est la meilleure dîner, en baisse la meilleure. Il veut faire une don. Quand on a foutu le don, sinon on a été là, il est en douro. Il veut mine carana, bientôt 15 ans, 16 ans. Il va se faire un don. Mais il y a l'académie, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Moi, je te dis, moi, je suis sorti toujours le major de ma promotion. On a créé ça, il faut faire une sélection au milieu du terrain d'autre, mais il faut bête ma femme à Wolof. Il faut faire un tour. 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 Lui qui a Metz. Il faut faire un tour. Ce n'est pas pour vous être. Fofana, c'est le neveu de Brema Jacté aussi. Voilà, non, on a fermé les gens et la digue. Moi, je sais, Inch'Allah, à ma faute. Mais moi, je pense qu'il faudra, à partir de Tunisie, peut-être que tu n'as pas eu de bons conseillers. Sinon, ni de conseillers, ni là. Et moi, je te dis, Tunisie, championnat. Tu pouvais jouer dans le championnat tunisien, avoir un contrat, aller en Europe. Voilà, il y a un truc que vous ignorez. Il va dans ouais, j'étais là-bas, c'était comme ça. Moi, j'étais avec CAV. Ibrahim Ouattara, actuellement, tu es avec l'Espérance du Tunis. Ouais. Tu nous suis, tu te l'appelles. Malien Pivot d'Ouattara, Fernand, c'était comment? Mais il y a des réalités, il faut être sur le terrain pour comprendre. Tout le monde sait le Maghreb, comment ça se passe. Si moi, je ne suis pas ambitionné, je ne souhaite pas que Malien Petit d'O, prêt pour le quoi? Le phénomène milieu, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu de la presse sportive. Je pense que Nikou Kito est tunisien, non. Il ne peut pas être qui veut jouer tunisien. En ce moment, on allait te trouver un agent à partir de la France, canadien, pour essayer d'alourdir un peu ton CV. Tu as eu quelques matchs avec les Sfax ou bien l'expérience de Tunis. Ça peut te valoir au moins un essai avec une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 française. Ou même de national. Il vient à national, là, comme la fin Golo Kanté, un an, deux ans, il vient sur la première division. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison, grand frère. Si ça, il y a une réflexion, on y va en réalité quand tu es sur le terrain. Moi, il y a Flo qui est là. Il y a Flo, moi, je ne le connais pas parce que, tu sais, je suis fier d'être malien, mais. Non, c'est pas facile la Tunisie. La Tunisie, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais fais gaffe, mes femmes. Coro. Mais fais gaffe, moi, dans les femmes. Moi, j'ai une vidéo. Néga, magie follow. Né, il y avait moi. Il y avait l'attaquant Saint-Ivoirien, Ibrahim Ouattara, Chorma, il a l'espérance. Néga, magie follow, Bena. Match amical follow, Bena. Espérance de Tunisie, c'est moi. La première mi-temps, c'est une Koulibaly. Nakro, Bena, il m'entend. En Guerrero, comment mais quoi? Parce que. Je peux dire que je suis ivoirien d'un côté. Donc, je peux dire que je suis ivoirien. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé. Parce que, fin de l'heure, on est dur à mon vie. Tu crois que Fousseni Koulibaly, il y a un Fousseni Koulibaly qui a écrit?
qui a l'expérience du Tunisien, il est l'assistant, tu vas voir. Il m'a dit que non, non, j'ai pas voulu parler, quoi, parce que chacun de nous a des problèmes personnels. Parce que moi, il avait fait un autre langue. Il dit, ouais, mais écoute, c'est vachement riche. Moi, je veux pas. Entre la match, il m'a donné 1000 dinars tunisiens. Oui, c'est pas ici ta place. Il y a une vidéo fait une expérience bizarre, boulot. Tu frère, moi, je coûtais beaucoup d'argent. Tu sais, Tunisie, il y a été au pays, il y a un mais tu sais, tu sais, avec les. Tu sais comment ça se passe. C'est pas d'où point tu passes. Mais n'y a en même belle, nous sommes au Kobarade, mais mal Kobara. Oui, mais la pour ma fille, parce que tu as une histoire similaire avec un Germanien qui joue en Italie actuellement, Giovanni Koulibaly. Parce que Domina a une histoire fournée, moi j'ai pleuré. J'ai tenu à faire un article sur lui, quoi, parce que n'a pas beaucoup dit à Ourati, au moins aux Ojagin, à Ourati, Ourati, à Bessor, dit à Mantella, ils sont obligés pour Norabo. C'est trop risqué, quoi. Ouais. Yeah. Franchement, il m'a dit qu'il n'y a rien là, parce que ni traverser sous nous, ni maintenant, mais encore, Mroba, qui a ça. Du sous-bouana, tout le monde, à la Nyabé Bella, quoi. Chacun a son destin qui est déjà tracé, quoi. Yeah. À partir de Tunisie, et ne couignons sur le choix comme sur le club ou n'y a pas sur le yébé bon Tunisie, tu vois, mais n'a pas sur les quoi bon, mais profitez qu'à fond de m'sénif en verbe dit à franchement à une solution ou n'y a pas de me barre ou n'y a pas là et boulot de mon en boulot de t'es que de mon doux et à fond à mes gens de m'aider et mais c'est quoi de la nette sur la cop papi fana mais c'est quoi de la nana t'es sur la à mes gens de m'aider et baby il casse. Ya, yeah. Ebe se balantana, peut-être que ka ma balantana ka eti so la. Bon, ebe se ka kume eka. Ke e la se yoro la, e rek ni sigilente li miye. Be talam be e la, ou fanabe e deme. Bon, agent ou mena an kontakte, ebe se ka agent dosro, mi dalime mi fanala ka fwa ena. Moi-même, je peux un peu atribuer, parce que même, c'était mon cas, une brima yon nou sabab yare la. Parce que balantana fanabe la Sénégal la non. Donc, ouais. Tu vois, ça traverse ça que une brimagne en don. Voilà. Parce que Demseni Chama, Malien, Kakera Malien, même Nigérien, ou bien contacté, nous, Mourobe Ajana, ne vous demain, vous orienter. Bon, nous, Mourobe conseil, là, nous, conseil Dima, Kanaketa, Aketanto. Yeah, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Le bienfait n'est jamais perdu d'avance. Ouais. Demseni Chama, Kouke Mourobe. Ne bese ka ko ke mo ye bi atasara nye bi me chini abse ka ne dendo ye ka ku anyo ye jana tika bo chugo de la ya famo ikra malien ikra ivoirien ikra guinéen en paix de kili to bu de na en fara ka bo nyona ouais ya famo ne bolo foshima ka jana tika ala de ko ki ko jin tike ye ko jin tike ala de ko ko na ni yoro na mbika jana tika de lan ya famo tu es encore très jeune. Parce que Nico Kini Doudoune des générations qui est, donc tu es dans non, Doudoune ne croquerait, mais j'ai eu la chance de jouer avec eux. Tu sais, mon âme ne fera pas, il est trop fort avec les histoires. Comme, quoi, c'est un rêve là. Moi, je fais double. Je double. Né, j'aurai une pré-sélection fin vainqueur en fait. Né, à Pégué. À quoi, c'est un an, bon, 2019, ne bon, encore. Mais il faut qu'à faire notre fille, quoi. Alors, arrêtez tout. Ni. Je connais mon travail, je ne me lance pas des fleurs, ni fait mes canets pour le don. Parce que tu vois, ni manier, tu te corvois, il y a l'entraîneur, tu vois, 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 il y a l'entraîneur, donc tu as un téléphone, il y a un téléphone, je décroche, il y a un téléphone, 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 il y a je vais te donner une chance pour que Marouish est à bord, mais pour que Nipsing ait participé. La agent m'y est. Nous, à Mango, ça tombe bien. On a carrière. On a pris le match. 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 On a comme une qualifiée, donc la fédération présidente a fait annuler. Donc, à connaître ma voix, bon, fin trois fois. Fin novembre, en air ou la coute en boulot, en document, il va être mien. Ou bien, il y a un cours, femme au tien, femme à quoi va-t-il. Nous, le donner,
boisset la euro euro donc fano de do ye tien fo mais nyaye fana ne fana ye do son de ne bo no fe bito y a une fois même envoyé des vocales dilay il a en tout moi wala so en Italie on men beku ne se moi ne fla ne se ngatama tu vois mais nti ni ma, ni malko beka ibeka ibeka traitement que ouais un traitement ni traitement tu sais ici non 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 un mec en bourre là tu vois où il y a un mini bita c'est ok, ouais. Donc, il y a une minorité à accepter. Donc, ne faut pas comment le faire. Si c'est ne faire ni du soumis, option on l'a changé. Sinon, moi, personnellement, malicariende, mais je fais un moment régalé, quoi. Parce que dirigeant, mais je ressors la mouna à fond des débats, il y a un tannier. Mais, fédération, je fais un fichandi. Peut-être qu'on y toque, on a peut-être un million, ça. Si on a fait le débat, comme il y a un barreau. Mais ce qui n'est même pas logique, ce qui n'est pas logique est que le joueur sélectionné va la wardi. Coron, ne m'a pas dit. Je ne sais pas. Orienter à tout le club ou à Douma Kouné, à Janimou Blagnona, sans demander quoi que ce soit. Ouais, j'aimerais bien que tu m'envoies un message en privé, s'il te plaît. Oui, voilà. Après, Nana peut faire quelque chose en France, te mettre en rapport avec des bons clubs pour des essais. Ouais, même je travaille en agent. J'étais à Bagarijan. Tu vois, écoute, il est témoin. Tu vois, quand il va au net, c'est un combat là. Moi, je préfère m'exprimer sur le terrain. Moi, je suis tellement de force parce que on a grand chose, tu vois. On a filé à la matière, tu vois. Quand on est en jeu, on se connaît pour longtemps. Tu qu'on a 10 minutes, il y a 10 minutes. Mais fin de moi, j'avoue, nous sommes gros. C'est des gens qui sont très riches, mais mon père, il n'est pas riche. Parce qu'il fait un offre qui veut jouer en même sélection. Vous, même on peut faire la vie, là, on va mimer. En Kumoto, à Gale, numéro taille. Mais comme avec Rome, là, à la gare, à Boulouma, à Barala, parce que ni l'interne, on ne s'exprime pas. Oui, absolument. J'ai envoyé un vocal, il m'a dit, là, il était très chouette avec moi. Il m'a dit, Demba, je ne suis pas un agent, je suis un chroniqueur. Je dis ok, je suis ne veux faire un vocal garé, chini, don de témoin. Coroné va donc. Même Dila Maestro. Ah bon? Le chroniqueur. Okay. Ouais, je l'envoie même. Il ne parle pas du vrai Dila. Il ne parle pas du vrai Dila. Ah, celui oui, qui était là. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, moi, je vocal gardé, je don le plus. Coroné va donc. Ne va pas être pour le coup. Ne va pas être pour le coup. Ne va pas être Je suis un peu plus de temps. Sinon, nous sommes là, car nous sommes à témoin. Mais comme d'autres, nous, il fait un sort. Tu vois, ça boude un peu. Mais Kara, tu sais, dans la vie, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Dans la vie, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Oui, j'en veux pas. Dieu sait mettre les bonnes personnes sur ton trajet pour t'aider à réussir dans la vie. En fait, c'est l'entourage. Ouais, c'est... Voilà. Donc, c'est comme ça dans la vie. Moi, je sais. Bien encadré, c'est ça en fait. Ça sert à rien de se lamenter, quoi. C'est le jour J qui n'est pas encore arrivé. Et je pense qu'après cette émission, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai toujours été là pour soutenir les jeunes joueurs. Et même au niveau de la fédération, quand je vois quelque chose qui est injuste, moi-même, j'appelle la fédération. Je leur dis qu'il y a telle chose, c'est pas juste. J'ai pas voulu écrire pour ne pas créer trop de polémiques parce qu'il suffit que moi j'écris un article pour que ça fait des bruits. Du buzz. Donc, je viens directement vers eux, j'essaie de les expliquer.
ce qui se passe, si c'est juste ou injuste. Sinon, Coronel, c'est une banane mourlée. Je ne cache pas. Mais t'as quoi qui... une fois, je suis allé jouer avec lui, ma première séance. Je me suis blessé, j'ai eu un problème de ligament. Et par contre, c'est un menus. Il a pleuré pourquoi? Alors, Alain, c'est lui seul qui sait. Donc, moi, je ne les envie pas. Tu sais, les grands ça, tout ça, c'est le destin. Tout ça, c'est le destin. Peut-être que si tu étais parti à la francophonie, là, peut-être que ce jour-là, même le Real de Madrid allait te faire signer des trucs comme ça, mais ce n'était pas écrit que c'est le moment. Ouais, oui, tiens. Kobena Kumarero. Il y a Didier Drogba, quand tu lis le livre de Didier Drogba, c'était pas gagné d'avance, c'est quasiment la même chose. Samuel Eto'o, ils vont te dire qu'ils ont véritablement souffert avant d'arriver au sommet. Sedou Keita, moi, je le connais très bien, mais Sedou Keita, il a véritablement souffert. Sedou Asembe Kwejeli. Tellement c'est qu'on a sempre qu'on dit. Mais c'est le bon temps à canon. Je vais te montrer une cicatrice. Tu vois, il y a un monté fait un réseau social. Et tu nous domaines, les gens, tu me suis. Je sais, la majorité me connaissent. Tu veux finir, tu vois, mais ne m'a pas pour moi. Moi, je devais venir me moquer avec un cousin. Tu me retrouves, mon bon, mon copain. Ah, Il faut avoir un milliardaire. Il veut se faire dongli canou. Il veut se faire balancan canou. Il veut se faire fumer canou. Moi, j'avoue, mon père, je me fais un minfo. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Il y a la bavara, etc. Le fin de l'heure, tu irais malien. Tu sais, comment ça se passe? Là, il faudra avoir un peu de l'endroit compliqué. Tu vois, le frère moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont piqués, qui ont des problèmes, mais à travers vous. Parce que là où tu es, tu as ramené un problème. À l'unité, tu vois, tu vois, je ne te connais pas, tu as besoin de me faire. Il y a qui m'ont parlé, moi, je les ai dit. Non, mais vocal fait cinéma, même Neneta Morodon, tant que tu te présentes comme un jeune Malien, même en difficulté, même la dernière fois avant-hier, il y a deux jeunes Maliens qui sont en Tunisie, qui m'ont envoyé un vocal pour me demander un agent de joueur. Aussitôt, je les ai balancé un agent. J'ai dit, vous le dites que vous venez de ma part. Sinon, comme il veut jouer dans Tunisie, d'être la Tunisie, il y a l'entraîneur du CAB, il s'appelle Kodzied. Tu peux me demander de... Et mes 19 jours, sur le nom des débats, je pense que c'est à donner un autre avant. Donc, quand on le trouve vraiment à travers vous, on me signe à comment. Maintenant, tu viens déjà à comment il faut. Quand on le trouve, si on ne va pas encore, mon andalé nous là, à la maison, on met la dôme, on va parler. Beaucoup, ça nous a marqué. C'est comme la ligne, quand on le trouve, on ne va pas. Ça n'a pas marché, c'est pas venu de la faute. Mais au fond, il sort. Mali fait de la chambre à Romine. Oui, mais il y a des joueurs où tu es U17 qui est U20 qui est, mais subitement, où est-ce que tu es un senior là? Et puis, c'est des joueurs qui deviennent des joueurs cadres. Est-ce que donc, c'est le destin. Il va se le doubler à U17 là. Allez, tes seniors seront. Doubler à U20 là, mais tes seniors seront. Mais dommage, une catégorie flanche, là, mais avec un senior là-bas, il sera cadre là-bas. Tout ça, c'est le destin. Ouais, non, il tient fort parce qu'il faut mettre au chaque fois. Il y a des signes. 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 Mais Allah,
Alors, mais c'est ça. En tout cas, merci. En tout cas, c'est bien parce que tu as fait une demande dans le live. Absolument, absolument. Aussi, on compte aussi faire un autre live cette fois-ci. Donc, tu vas bien t'exprimer. Et concernant vraiment aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc, RFN 14 Sport, on est là pour tout le monde. On est là pour tous les Maliens. Voilà. Donc, peu importe que tu sois connu ou pas connu, ni en écrit seulement, on va te répondre, on va te guider. Réma est là, comme étant un grand frère, comme étant un père aussi, pour les personnes qui vont lui voir. Donc, mon maf, ça m'a envoyé à Franfé. Il m'en a écrit, il m'a répondu à n'importe quelle heure. Vraiment, comment on a au niveau de mon numéro, je pense que c'est bon. Mais t'inquiète. Voilà, donc, je pense qu'on après ton témoignage, je pense qu'on on va mettre les de toute façon, de toute façon, Mick Alpha Nanara en attendant. Après je vais t'envoyer un message, si tu veux, je te laisse mon numéro. Oui, tu m'envoies un message. Nana, je te le confie. Gardez ça, vous enregistrez. Voilà, vraiment les méfiants, vraiment. On n'est pas dans l'ingo. Mon ange la foi, Mais ça va aller, et ala destem tracié et bi à Dailena, portu Dailena. Voilà, portu Dailena, Kasitouino, Amala Deli, Ibam Soborobna, Alaka Afra al-Slamasuka. Y'a pour moi, ni paye Alaka Koudi. Y'a pour moi. Et bi, Idija de Al-Sadron, et Kanani du Souta, Nyeji, Orutwe. Ouais. Yeah. Les choses vont changer naturellement, quoi. Non, ça me plaît pas. Voilà, il faut être courageux. comment dirais-je, Rivaldo ka histoire là, c'est ça. Il vient à Doké, t'as Doké, Rivaldo t'as là. Trois fractures sur la même jambe. Malgré tout ça, le monde a entendu parler de lui en matière de football. Brésilien de Nuncha Manu ka histoire là, il va Doké, et bon, c'est qu'un consommé quoi. Là où beaucoup de gens sont morts, Dieu t'a permis de traverser ça. Dieu t'a construit un destin. Je vais dire pour que Nana puisse comprendre, je ne sais pas si elle a compris. Un enfant qui est destiné à être roi ne meurt jamais tout petit. Oui, je connais. C'est ce que je lui ai dit. Donc, destin de Bibolo et non. Peut-être que demain ou après-demain, enfant d'Abena, petit à fois, tu vois, mina live ou la donne là, à flag à jeu Barça l'année. En train de prouver ici. Je pense qu'il est bon. Non, va s'occuper de toi. Après, le samedi, on va essayer de programmer avec. Avec Demba, le samedi qui vient. Inch'Allah. Tu m'oublies pas, je veux bien que tu m'envoies un message. Oui. Non, après, tu écris les références aussi. Brema va te parler. En fait, c'est sinon, juste que lui, référence, on m'a parlé de lui il y a longtemps. Il est avec moi, il y a là, Ouais, mais... Pour la suite, continue.
sais pas. Maintenant, ça m'y va, mais je suis d'homme. Inch'Allah. Mais t'inquiète, non, maintenant c'est. Papi, je crois qu'il fait un peu tard là, donc je crois qu'on va se reprendre. En tout cas, pose-toi bien, Demba. Ok. Voilà. Demba, merci. Ouais. Et on reste en contact, t'inquiète. On va. Papi. Papi. Papi, quoi? Papi. Oui, oui. Papi, tu dors ou quoi? Des problèmes de réseau, donc. Je crois que Papi. Il a dit qu'il a un problème de réseau. Je crois qu'Amé jusqu'au samedi prochain, quoi. Inch'Allah. Papi. Il a dit qu'il a un problème de réseau. Ok, il arrive. Ok. Donc, Amé Pitable jusqu'à samedi prochain, quoi. Okay, donc, on remercie tous ces gens qui nous ont suivis depuis 21h. Depuis, ouais. Je crois qu'il est minuit passé ici. Oui, il est minuit 4, donc on a fait 3 heures de débat. Non, mot de la fin, ouais. Bon, merci de m'avoir invité. Déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de vous présenter les actions de l'association qui est en plein développement, de vous partager certaines de mes références au niveau du sport, notamment au niveau du volleyball qui n'est pas très connu. Donc maintenant, on a des idées, on va en parler. Et voilà, je serais ravie de revenir avec plaisir et bon, j'espère faire le maximum pour le petit Demba déjà. Comme en fait, c'est à peu près la même situation que la petite fille qu'on avait aidée au Mali. Donc maintenant qu'il est en France à Lyon, je pourrais même aller le voir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je sais pas. Merci beaucoup, Nana. Merci à toi. Papi. Merci. Au revoir. Papi chaud. Ciao. Ok. Merci, Brahima. Merci.